Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ton foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, il fera. Merci Seigneur. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Que le Seigneur nous bénisse richement. Levons-nous, s'il vous plaît. Nous allons lire un psaume. Nous lisons dans le livre des psaumes au chapitre 139. Psaume chapitre 139, nous lisons la parole du Seigneur. Psaume chapitre 139, nous lisons la parole de Dieu. Éternel, notre Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève, tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche, et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irai-je loin de ton esprit et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis, au moins, les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux existât. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables. Que le nombre en est grand, si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille, je suis encore avec toi. Amen. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal.
Merci, merci Père. Que ton nom soit vraiment célébré, qu'il soit adoré, exalté. Nous te disons vraiment de tout notre cœur, tu es vraiment le plus beau parmi les milliers. Tu le mérites, notre Père, que tu sois aimé et glorifié au travers des chants comme nous l'avons chanté encore aujourd'hui. Père Dieu, t'exprimer davantage, Père, tu me sens l'allégresse que tu apportes dans notre cœur parce que tu es vraiment vivant. Merci vraiment parce que tu as dit que tu étais le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et tu le sais, mon bien-aimé, tu l'es, mon bien-aimé Père. Et cela est notre assurance encore davantage, mon roi, sachant que tu ne changes point d'un iota, Père. Tu demeures le même Jésus. Merci encore pour ce que tu as fait. Merci vraiment pour ce que tu continues à pouvoir faire, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Et nous sommes vraiment dans la joie de savoir que tu nous tiens par ta main, Seigneur, et que tu es celui qui nous a montré le chemin, et tu es ce chemin, mon bien-aimé Père Saint. Et aussi, tu nous montres aussi comment y marcher avec toi, et comment s'y tenir, mon roi. Tu nous prépares, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Tu nous donnes tout ce qui est nécessaire. Nous implorons ta grâce, ton soutien, ton secours, Père Saint-Dieu, pour que réellement que nos cœurs et nos âmes soient vraiment ouverts pour nous appliquer à pouvoir réellement prendre, Père oh Dieu, ce que toi tu lui donnes, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, afin que réellement puisse avoir aussi des faits dans notre vie, que nous voyons combien nos vies ont été transformées par toi, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. C'est par ta parole à toi que tu le fais, Seigneur. Merci encore pour mon frère, merci encore pour ma soeur, merci pour ton père, pour nos enfants, nos petits-enfants, Père Saint-Dieu. Père, ce peuple a fait des kilomètres de distance, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, qui tend différents endroits pour se rassembler en cet endroit, parce qu'il reconnaît que c'est toi qui nous rassemble, mon bien-aimé Père oh Dieu. Puissions accorder la grâce à chacun, Seigneur, et qu'il puisse dire que la parole maintenant qu'il soit béni, Père Dieu, pour le problème qu'il a, bien Père, soit vraiment déposé à tes pieds. Nous le faisons, nous le déposons, bien-aimé Père Saint, parce que nous réalisons combien tu es tellement si important et tu as la capacité de changer les cours de l'histoire dans notre vie, Seigneur. Merci pour les chants et les cantiques. Merci encore pour les psaumes. Merci pour tout ce que tu as fait et tout ce que tu fais encore aujourd'hui. À toi donc soit la gloire, la puissance et la victoire, Père. Nous pensons à tous nos frères et sœurs qui sont aussi en connexion dans différents endroits où ils sont, Seigneur Jésus, qu'ils soient aussi bénis, Père Saint, car nous t'avons ainsi prié au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que notre Dieu soit vraiment béni et glorifié, qu'il vous soutienne, qu'il vous fortifie, qu'il vous bénisse richement, votre présence aussi réjouit le cœur, que Dieu vous donne la bonne santé, que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Vous avez chanté d'une manière extraordinaire. J'ai dit, mais ils sont capables. Non, Dieu est bon. Vous savez, quand nos cœurs s'ouvrent à son endroit, tout ce qui est en nous, effectivement, aussi, se met aussi en action aussi pour glorifier ce Jésus qui a fait de grandes choses aussi pour nous. Nous sommes un peuple qui lui appartient, comme les saintes écritures nous le témoignent aussi, hein, le troupeau de son pâturage qui est sa main puissante et glorieuse réellement aussi conduit. Et nous voulons vraiment nous laisser conduire par lui et qu'il veuille vraiment agir encore davantage. C'est pour ça qu'il nous est aussi nécessaire de lui donner ce dont il mérite. Hein, que nos âmes, nos cœurs et nos corps, tout ce que nous sommes, c'est pour ça que nous sommes 100% à lui et dans tout ce que nous sommes. Et c'est pour ça que nous lui implorons cette grâce de pouvoir nous aider, que partout où nous sommes, partout où nous passons, que nous puissions dégager et laisser cette trace et le parfum de Christ pour que ceux qui voient effectivement, et quand ils sont vraiment en difficulté, qu'ils puissent aussi voir ce témoignage que nous laissons auprès d'eux et qu'ils puissent avoir aussi la soif de pouvoir réellement recourir au Seigneur. C'est pour lui que nous vivons et c'est lui que nous servons. Et si cela est ainsi, nous croyons aussi que notre cœur est dans toutes les circonstances ou dans tous les domaines dans lesquels le cœur est appelé à pouvoir assister, qu'il soit simplement rempli de lui. Que ce soit lui qui soit le premier et qu'il soit aimé au plus profond de notre cœur, qu'il soit même celui qui nous conduise dans nos projets, dans tout ce que nous pouvons prendre effectivement comme décision dans notre vie, parce que nous ne nous appartenons plus. Nous lui appartenons depuis le temps que nous lui avons dit, Seigneur, nous te donnons notre cœur, notre âme, notre esprit, notre corps, ce que nous sommes,
pour que tu en sois le maître et le chef, effectivement, parce que c'est toi qui m'as sauvé. Si je peux être aujourd'hui ce que je suis, mais c'est seulement par ta grâce. Donc nous comprenons très bien qu'il nous est absolument nécessaire de pouvoir également être conscient de celui à qui nous appartenons et que nous puissions arriver à réaliser aussi que celui à qui nous appartenons, nous sommes son esclave. Donc nous sommes esclaves de celui effectivement qui a eu effectivement la prééminence, donc la domination sur nous. Ce qui veut dire qu'effectivement qu'en nous, en chacun de nous, on ne peut pas réellement pouvoir dire « moi je veux ceci, moi je veux faire ceci, moi je veux faire cela, si... » Alors il faut toujours dire « si Dieu le veut, toujours, si le Seigneur le permet, alors je le ferai. » Ça veut dire que je ne suis plus moi-même maître de moi-même, je dépends de quelqu'un auquel j'acceptais de me soumettre. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit comprendre, effectivement, que la soumission à Dieu est fondamentale pour un chrétien. Le pas d'un chrétien, c'est celui réellement qui a ouvert son cœur et qui a reçu le Seigneur comme son sauveur personnel. Il n'y a pas d'indépendance, effectivement, de soi à l'endroit des uns, enfin, de Dieu, effectivement. On est dépendant. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire ce que nous voulons faire, mais on dépend de ce que lui, il veut que nous puissions arriver à pouvoir faire. Bien-aimés frères et sœurs, je crois que c'est important que cela soit compris, effectivement, pour chacun de nous, pour que nous puissions comprendre que le travail que le Seigneur fait dans chacun de nous, c'est que c'est un travail pour que nous puissions atteindre donc la perfection. Qui dit perfection, dit parfait. C'est pour ça qu'on dit que nous faisons tout ce qui est nécessaire pour que tout homme soit trouvé parfait, parfait en Christ notre Seigneur. Et ça, c'est nécessaire que vous puissiez comprendre qu'effectivement, que ce n'est pas que le Seigneur fait un travail pour que vous puissiez en certain moment être dans des conditions où vraiment, et c'est sinon. C'est-à-dire qu'on arrive à un point où l'homme, et je l'ai dit aussi une fois, souvent, c'est qu'on entend des dictons, en fait, des proverbes de ce monde, la perfection n'est pas dans ce monde. Oui, 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 la perfection est là. Parce que ce n'est pas maintenant, ce n'est pas après que Dieu va vous rendre parfait. Au ciel, je veux dire qu'au ciel. Non, 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 c'est ici. Parce que nos imperfections, il nous parfait. C'est comme ça que là où il y a un manquement, il nous donne sa parole pour que nous puissions être redressés. Alors, ça veut dire que toi, tu ne peux pas te redresser toi-même. Voyez-vous, la Bible dit que nous sommes sauvés par grâce. Cela au moyen de la foi. Ce n'est pas par les œuvres pour que personne ne puisse se glorifier en quoi que ce soit. Simplement par sa grâce. Et comme le Seigneur le fait savoir, et il nous a aussi préparé pour que nous puissions pratiquer les œuvres que lui-même a eu à pouvoir déjà mettre en place pour nous. En fait. C'est-à-dire que nous, lorsque nous lisons dans les Saintes Écritures, il nous dit dans le livre des Hébreux, une parole que par une seule offrande, ce n'est pas toi qui as offert l'offrande, c'est lui qui a offert cette offrande-là, comme il a dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé. Je viens au Dieu parce que dans le rouleau des livres, il est donc écrit de moi. Donc, question de moi. Alors, c'est pour ça qu'il s'est offert, effectivement, parce que cette offrande a toujours été parfaite. C'est ce que Dieu. Alors, c'est par cette offrande-là, comme la Bible le dit, que nous sommes donc sanctifiés par cela. Et que tous ceux qui sont sanctifiés, donc il les a donc amenés aussi à la perfection.
C'est merveilleux de voir combien... Parce qu'on se pose la question de pouvoir savoir comment Dieu le fait, parce qu'il nous dit qu'il nous amène à la perfection. Comment fait-il ce travail-là? Ainsi, vous comprendrez effectivement l'importance de pouvoir rester vraiment attaché à ce que Dieu nous dit et croire réellement aussi à la parole de Dieu pour que nous puissions réellement arriver à pouvoir... Parce que nous réalisons combien... Dieu est tellement très puissant et trop puissant et plus puissant et grandement puissant que rien, absolument rien ne peut lui être impossible. Vous avez entendu le témoignage de frère... Je n'étais pas là, hein. Il ne m'a pas vu. Donc son témoignage, vous l'avez entendu dans les détails. Je n'ai pas entendu dans les détails. Chose impossible... Regardez là. Chose impossible. Ah, merci beaucoup. C'est merveilleux d'avoir la chorale. Ah là 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 là. Il a fait. Il m'a libéré. Gloire à Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. J'étais sûr. Alors vous réalisez qu'effectivement, quelque chose que quelqu'un ne pouvait même pas penser, mais Dieu le fait. Comment ne pas aimer un tel Dieu? S'il l'a fait, c'est qu'il te montre aussi que quand Amen. Tu passeras, Amen. Pas de situation aussi grande. Ne regarde pas la situation, non. Ne regarde pas le problème, mais regarde-moi. Ah, il est tellement si merveilleux. Tellement si puissant. Et alors Salomon pouvait dire quand il était là, levant les mains, dit, quelle maison te bâtirai-je, ô Éternel? Voici les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Psaume 133. Tous les jours qui m'étaient donc gras étaient tous inscrits. Avant. Donc, gloire à Dieu. Donc ton problème n'est pas ton problème, mais c'est son problème. Qui nous aide à ce que nous puissions monter dans cette dimension-là pour que nous comprenions qu'il nous a dit une parole apaisante et rassurante que rien ne peut vous nuire. Quand nous sommes à lui, nous sommes vraiment à l'ombre de tout. Ah, c'est merveilleux. Nous sommes heureux et nous remercions le Seigneur, notre Dieu, de ce qu'il nous bénit. Alors nous réalisons que cette année 2022, c'est vraiment une année extraordinaire. Il nous a aussi donné la grâce d'avoir un autre bébé. Amen. Amen. Elle s'appelle Esther Peace. Notre frère Robert et notre sœur Dorine, ils ont eu aujourd'hui, enfin, ils ont eu un bébé dont les photos ont déjà été. Hein. Nous remercions Dieu pour cela. Il est vraiment bon et il est vraiment merveilleux. Notre sœur Nicole, tout à l'heure, j'étais dans mon bureau et le frère Julien était venu pour un service ici à l'Assemblée. Il est venu me dire dans mon bureau, je ne sais pas, mais mon épouse m'a dit qu'à tout moment, j'ai dit, que Dieu soit béni, sois en paix, alors on pourra. Et tout d'un coup, il appelle, il dit, ça commence. Donc, elle est dans les ambulances pour aller à l'hôpital pour l'accouchement. Nous prierons pour elle. Que le Seigneur, c'est merveilleux. Amen. Dieu continue à pouvoir nous donner la joie pour cette année-ci. Et comme hier, vous avez bien mangé. Quel repas, n'est-ce pas? Tout le monde était dans la joie et tout ça. Eh bien, c'est aussi le mariage de votre sœur Déborah et votre frère Eric. Donc, Déborah et Eric sont déjà mariés. Les parents ont voulu saisir l'occasion là. Pour que j'ai eu l'occasion de pouvoir prier aussi pour eux, de manière à ce qu'ils puissent directement aussi aller dans leur maison. Donc nous remercions le Seigneur pour cela aussi.
Voilà pourquoi vous avez mangé. Hein? Que Dieu vous bénisse. Nous allons donc prier pour notre sœur Nicole, remercier le Seigneur pour notre frère Robert et la sœur Dorine, et aussi remercier aussi le Seigneur pour notre sœur, notre frère. Tendre Père et précieux Sauveur, nous tenons devant ton trône de grâce pour te dire merci. Merci vraiment pour ce que tu as fait dans la maison de mon frère Robert. Que tu le bénisses, Père, avec notre sœur Dorine, en lui donnant un bébé qui est aussi le nôtre, mon bébé de mes pattes vissant. Et nous nous réjouissons de cela, Père Saint-Dieu, d'une grâce extraordinaire que tu nous as faite, mon bébé de mes pères Saint-Dieu. Merci encore pour ta bonté. Merci encore pour ton amour. Merci encore pour tes compassions, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Tu es réellement le Dieu qui nous aime, Père Saint-Dieu, que tu prends soin, Seigneur. Merci de nous avoir donné encore cet enfant. Nous prions aussi pour notre sœur Nicole, mon bien-aimé Père Dieu, qui, à l'instant, va à l'hôpital pour accoucher, Seigneur. Elle a besoin de ton assistance, de ton soutien, de ton secours, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Parce que sans toi, elle ne peut pas rien faire, Père Saint-Dieu. Mais c'est toi qui assistes encore davantage, mon roi. Que tu puisses vraiment l'assister, enfin, que l'enfant vienne au monde. Que nous puissions avoir la joie de pouvoir voir cet enfant. Mon Seigneur Jésus, tu es vraiment bon, mon précieux Seigneur et Sauveur. Nous te remercions pour le bienfait que tu nous as fait, Seigneur. Merci aussi pour notre sœur Déborah Libandé, pour notre frère Eric. Oh Dieu, que tu sois béni, que tu le bénisses, Père Saint-Dieu. Tu es vraiment merveilleux dans ta façon de pouvoir faire les choses, mon roi. Et nous sommes vraiment consolés. Et nous sommes dans la joie de voir ta main puissante agir encore en ce jour et dans ce temps dans lequel nous nous trouvons. Et au Saint-Père. Merci parce que tu es vraiment vivant, Père, car nous t'avons prié ainsi, Père, au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Il est vraiment bon de louer notre Seigneur et de le servir pour tout le bienfait qu'il ne cesse de pouvoir réellement nous apporter. Ah, notre frère Enzo, que Dieu te bénisse. Alors, si j'ai bien compris, maman est rentrée à la maison. Maman va bien avec papa. Ah là 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 là, ça c'est merveilleux ça. Hein? Alors comment ne pas les louer, hein? Remercions-le. Tendre Père et précieux Sauveur, oh, tu connais notre précieux frère, son amour à ton endroit, ton œuvre, Père. Aujourd'hui encore, malgré les problèmes des carburants, lui, sa femme et ses enfants ont traversé des contrées, Seigneur. Jésus-Christ, mon roi, que tu le bénisses, Père oh Dieu. Quel bonheur de pouvoir entendre combien tu as eu à pouvoir agir, mon bien-aimé Père Tibissant, dans cette famille, bien-aimé Père Saint-Dieu, où les diables avaient dit que je vais tout détruire, Père. Mais tu es le Dieu qui a eu à démontrer que tu es le Tout-Puissant, mon Sauveur. Merci encore d'avoir rassemblé cette famille, Père Saint-Dieu, d'avoir donné la grâce, Père Tibissant, de revoir le parent ensemble, Père. Ça a toujours été un bonheur, un rêve, mon Père Tibissant, mais tu l'as accompli pour mon précieux frère, pour sa famille. Que ton nom soit béni et glorifié, mon roi. Tu es vraiment le maître, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Puisses-tu le faire parce que tu l'as fait, parce que tu es le Tout-Puissant, Père Dieu. Chose impensable, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, mais tu l'as accompli, Seigneur. À toi la gloire, à toi l'honneur et à toi la puissance et la victoire. Merci pour tout, Père. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Oh oui, il est bon, notre Seigneur et notre Dieu. C'est là que nous comprenons que toutes choses sont vraiment possibles. Et qu'il ne faut pas se décourager, mais persévérer donc dans la foi. Et c'est à cela que le Seigneur, notre Dieu, nous a aussi accordé ce privilège d'avoir parfaitement aussi cette foi qui vient de lui. Dans les livres des Hébreux, au chapitre 1, nous pouvons nous lever pour lire. J'espère que vous n'êtes pas fatigués. On ne sait pas combien de temps on va passer dans les Hébreux. Mais nous prions seulement que Dieu nous aide. Et nous soutenir pour cela. Dans les Hébreux au chapitre 1, nous lisons à partir du verset 1. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé donc par le Fils qu'il a établi donc héritier de toutes choses, par lesquelles il a aussi créé le monde et qui étant donc le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant donc toutes choses par sa parole puissante, a fait donc la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans le lieu très haut, et devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Amen. Nous te disons merci, notre Père, de ce que nous lisons, ta parole à toi, qui console nos cœurs, qui réjouit. Mon bien-aimé Père Saint, tu es vraiment Dieu.
Et ta parole à toi est vraiment toi, mon bien-aimé Père Saint, parce que tu es vraiment profond. Et quand nous lisons, Seigneur, la profondeur est toujours là, elle demeure, Père puissant Dieu, démontrant que c'est toi, Seigneur, que ton nom soit vraiment béni et exalté, Seigneur. Soutiens-nous et parle-nous encore ce matin, mon bien-aimé Père Saint Dieu, afin que nous puissions apprendre de toi, mon bien-aimé Père. Nous aimons apprendre de toi. J'aimons nous asseoir à tes pieds, Seigneur, pour apprendre de notre maître, mon bien-aimé Père Saint. C'est toi qui nous a donc appelé aussi, mon bien-aimé Père Saint. C'est toi aussi qui as la capacité de pouvoir nous parler et nous conduire encore davantage. Viens nous instruire, encore nous enseigner, Seigneur. Je te demande grâce et pardon encore ce matin. Soutiens-moi, Père, j'en ai besoin, mon Père Saint-Dieu. Que ton nom soit exalté. Nous te remercions pour ce que tu fais. À toi soit la gloire, la puissance et la victoire, Père Saint. Car nous t'avons ainsi prié, au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. C'est quand même extraordinaire de voir combien les choses de Dieu sont d'une manière, en fait, commence à devenir un peu plus, beaucoup plus clair encore à chacun de nous. Et cela, d'une manière assez particulière dans la manière dont Dieu lui-même se révèle effectivement dans sa parole. Nous pouvons réaliser qu'effectivement, que ce que nous lisons comme Saintes Écritures, donc la parole de Dieu, elle est tout à fait particulière parce que si c'est un livre qu'un homme aurait écrit, vous savez, vous lisez, vous lirez quelques pages, effectivement, vous en avez lu une fois, deux fois, c'est suffisant. Parce que déjà, vous savez ce qu'il l'homme a eu à pouvoir dire, dont l'histoire, vous la connaissez. Mais quand vous prenez la Bible, vous pouvez lire la même écriture. Chaque jour, elle est toujours extraordinaire. Il y a toujours une profondeur qui sort de là. Allez, en fait, la Bible, la parole de Dieu, on ne la tarira jamais. Non, c'est... Le même chapitre et verset, on peut le prêcher à plusieurs manières, d'une manière ou d'une autre, effectivement, oui. Vous l'apprenez parce que là-dedans, il y a quelque chose de surnaturel. Parce que Dieu est surnaturel. Et comme on nous dit aussi que la parole au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, elle demeure Dieu en fait. Et alors, nous réalisons que si cela est ainsi que la parole est Dieu, donc ce que nous avons ici, que nous lisons ici entre nos mains, nous tenons, c'est Dieu sous la forme écrite. Alors, si cela est ainsi que c'est Dieu sous la forme écrite, parce que l'écriture ici a eu à pouvoir prendre vie. Vous me suivez? Pour démontrer que c'est la vérité. Parce qu'on nous a dit qu'effectivement, que le commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, puis, et cette parole a été faite chair. Donc, ce que nous avons ici, sous forme écrite, la Bible nous fait savoir qu'il a été fait chair. Et Dieu a permis que nous puissions la voir sous la forme écrite pour qu'elle soit apportée aux hommes. Que les hommes comprennent effectivement quelle est donc leur origine, d'où ils viennent et pourquoi. Parce que, pourquoi effectivement il y a le soleil, il y a la lune, il y a les étoiles, il y a de l'eau, il y a tout ça effectivement. Et aussi pourquoi tous ces problèmes effectivement ont été, quelle est l'origine de tout cela en fait. Et Dieu n'a pas voulu laisser l'homme dans l'ignorance en fait. Mais Dieu a voulu que l'homme apprenne et comprenne effectivement l'environnement dans lequel il se trouve. Vous voulez savoir pourquoi nous avons des problèmes et des soucis? Mais parce que il s'est passé quelque chose. Parce qu'avant cela, l'homme n'avait ni problème, ni soucis, ni tracas. Adam n'avait pas de tracas. Il n'avait pas de soucis, il n'avait aucun problème qui pouvait arriver à pouvoir effectivement. Bah, il était tranquille, effectivement. Il faisait ce que Dieu voulait qu'il fasse. Et tout allait très bien, effectivement. Il n'y avait pas de problème, en réalité, effectivement. Mais c'est quand quelque chose s'est passé, effectivement, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que depuis que l'homme ne faisait qu'obéir à la parole de Dieu. Et puis, si nous retournons encore plus loin là-bas, nous remarquerons une chose qui est extraordinaire. La relation que l'homme avait avec Dieu
C'est une relation d'amour, une communion en fait. Et vous remarquez très bien que dans cette relation d'amour avec Dieu, dans la communion, l'homme ne trouvait rien qui soit une obligation pour lui, qui soit une exigence effectivement, mais il trouvait qu'effectivement que tout ce qu'on lui demandait, c'était tout à fait normal. Alors on n'a pas eu à pouvoir se poser des questions, ben, pourquoi je dois faire ceci, je ne sens pas... Non. Malgré que Dieu lui avait donné le libre arbitre, effectivement, mais cet homme prenait plaisir, effectivement, à être avec Dieu dans l'environnement que Dieu, effectivement... Pour lui, c'était donc normal de pouvoir obéir à ce que Dieu a dit. Il dit, mais tu ne mangeras pas de ces... Donc, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc, quand Dieu a dit cela, l'homme, pour lui, c'était normal d'obéir simplement. Pas se poser la question, mais pourquoi? Non, Dieu l'a dit, et puis comme j'aime tellement Dieu, je lui fais tellement 100% confiance. Et puis je lui fais 100% confiance, mon bonheur est vraiment assuré. Que dois-je faire encore d'autre? Pas si je vais quoi que ce soit, tout est là. Tout ça, je ne l'ai pas planté, moi je ne l'ai pas fait moi-même. Non, j'ai trouvé que Dieu avait déjà préparé. Ce que Dieu me demande simplement, gloire à Dieu, c'est simplement l'obéissance. Parce que toi, mon frère, toi, ma soeur, tout ce dont tu as besoin, nous l'avons entendu dans le psaume 139, avant qu'aucun d'eux n'existât. Donc tout ce dont tu as besoin là, et que tu auras encore besoin demain, Dieu l'a déjà fait. C'est pour ça, frères et sœurs, nous prions Dieu qui nous aide à voir qu'on pense là. C'est pour ça qu'il dit, ne vous inquiétez de rien. Mais Dieu a déjà fait, il a déjà pourvu effectivement à la chose qui te faut. C'est pour ça que, comme cet homme-là était là, c'est fini. Donc, il avait seulement à pouvoir simplement avoir confiance, croire simplement à ce que l'Éternel, notre Dieu, lui a dit. Donc, ça dit que la communion, les moments bénis qu'il avait avec Dieu, effectivement, il en trouvait, il en éprouvait un plaisir immense de pouvoir quand même avoir cette communion avec Dieu. Donc, chaque jour, effectivement, il savait que, à un moment, Dieu serait là, effectivement, et il parlerait avec lui, comme la Bible le fait comprendre aussi, etc. Donc, c'est ainsi aussi que, nous, en tant que peuple de Dieu, en tant que fils et filles de Dieu, ce ne sont pas des choses extravagantes que Dieu nous demande, effectivement. C'est de pouvoir aspirer à pouvoir avoir ce moment de communion avec Dieu, où Dieu vient te parler aussi. C'est comme ça que Adam était effectivement. Et cela lui donnait effectivement autant d'assurance, effectivement, autant d'aisance, effectivement, dans ce qu'il était, pour arriver à pouvoir effectivement que quand Dieu lui disait, c'était des choses tout à fait normales. Mais aujourd'hui, nous, c'est pas comme cela. Nous pensons effectivement, quand la parole de Dieu nous vient effectivement, et comme ça, nous sommes poussés à pouvoir, tu penses d'abord, je dois faire ceci, et puis la plupart, le grand danger que nous avons effectivement, et ça, c'est la pollution de Satan. Ce qu'il a fait de toi, effectivement, quelqu'un qui a confiance en toi-même. C'est ça la grosse erreur que vous avez commise. Ce n'était pas ça qu'Adam avait. Non, parce que vous direz, mais frère, est-ce que c'est possible? Est-ce que tu nous dis vraiment vrai? Mais comment est-ce que tu pouvais le savoir? Mais nous avons eu le dernier Adam. Le dernier Adam a dit, je ne fais rien de moi-même. Je ne fais que ce que le Père me montre de pouvoir faire. C'est comme ça qu'il était le premier. Mais c'est la vérité, mon frère et ma soeur. Soumis à 100%, il dit, c'est ce que je dis, mais je ne suis pas venu faire ma volonté, je viens au Dieu pour faire ta volonté. Donc c'est comme cela que, et nous avons un sérieux problème, nous, c'est cela en fait, effectivement, que le combat, parce que Satan s'est tellement délivré, et les racines est là pour que nous puissions arriver à pouvoir nous tenir comme les choses doivent se tenir. Mais c'est pour ça que la parole de Dieu que Dieu envoie, si simplement on peut ouvrir les oreilles et comprendre, effectivement, c'est notre bonheur. Parce qu'il dit, mais sanctifie-le par ta vérité. Ta parole est la vérité. Donc c'est elle, effectivement, qui nettoie, qui enlève toutes les saletés que Satan a à pouvoir polluer en sémant dans les uns. Donc effectivement aussi, pour que réellement nous soyons purs maintenant, afin que la parole de Dieu puisse avoir sa place, effectivement, au-dedans de nous. Et là, il n'y aurait pas de difficultés pour nous, effectivement. C'est pour ça qu'on nous parle, effectivement, du baptême du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est le repos. Amen. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Vous voulez charger de tout, fardeau, effectivement, je vous donnerai du repos. Alors, vous savez, en parlant du repos, je pense dans le livre des Hébreux, chapitre 4, je pense que c'est là.
Si Josué lui eût parlé, lui eût donné du repos, mais on n'en reparlerait pas encore. Hein. Est-ce que vous vous souvenez? Hébreux chapitre 4, pour que vous puissiez voir effectivement cela. Dit. Craignons donc, verset 4, chapitre 1, verset 4, verset 1 dit, mais craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos suffit encore et qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva point, ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Vous entendez cela? Selon qu'il dit, je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Il dit cela, quoique ses œuvres eussent été achevées depuis la création du monde. Car il a parlé quelque part ainsi du septième jour, et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le septième jour, et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur obéissance, Dieu fixe de nouveau un jour aujourd'hui en disant dans David, si longtemps après, comme il est dit plus haut, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Car si Josué leur eût donné le repos, il ne parlerait pas après cela d'un autre jour. » Vous vous souvenez? Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé de sienne. Donc quand tu rentres dans ce repos-là, tu ne reviens pas encore pour pouvoir... Puisque quand Dieu s'est reposé, il n'a plus retravaillé. Donc dans ce repos-là, tu ne vas plus effectivement... Une fois rentré là-dedans, tu vas plus dire, Seigneur, donne-moi l'amour pour mon frère. Seigneur, donne-moi ceci. Non, parce que quand tu es là-dedans, il n'y a plus d'effort à pouvoir faire. Tu as reçu ce que Dieu t'a donné. Donc là, tu te reposes. Maintenant, ce sont maintenant les œuvres qui se manifestent, en fait. Ce que Dieu a eu à pouvoir déjà préparer dans le bâton, tu le mets simplement en pratique. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est ça effectivement qu'on doit comprendre en réalité, comme cela nous lui avons fait référence avec avec Adam dans le jardin d'Éden, qui démontrait qu'effectivement qu'il avait une pleine confiance, il avait tellement l'assurance parce que tout autour de lui effectivement démontrait que Dieu avait placé chaque chose effectivement pour son bien. C'est pour ça qu'il nous est absolument nécessaire de pouvoir réellement écouter la parole de Dieu et s'y accrocher en fait davantage et obéir. Quand si Dieu nous enseigne, si Dieu nous instruit, effectivement, c'est pour notre bien. Il ne veut pas que... Parce que Satan vient quand Dieu vous enseigne, Satan vient aussi s'aimer aussi de livrer. Et alors maintenant, vous commencez à pouvoir vous interpréter tout ce qui a été dit. Dieu ne vous a jamais demandé d'interpréter sa parole ni à personne d'autre. Dieu nous a simplement demandé de pouvoir croire, amen, obéir, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Donc c'est ce que Dieu nous demande, juste obéir. Alors, croire, obéir effectivement à la parole de Dieu, alors maintenant, la parole de Dieu elle-même va s'interpréter et donner l'explication. Parce que l'auteur de cette parole, ce n'est pas toi ni moi, mais c'est Dieu, en fait, qui connaît donc sa parole. Donc, quand vous entendez la parole de Dieu, il dit, mais aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. C'est-à-dire que ne soyez pas désobéissants, incrédules, effectivement, comme nous pouvons le lire encore un peu plus loin, effectivement, s'ils ne sont pas entrés à cause de leur incrédulité. Donc, vous savez cela, non, pendant 40 ans, ils ont... Et pourtant, pendant 40 ans, ils voyaient les œuvres de Dieu. Ils ont bu à ces rochers qui les suivaient. Ces rochers étaient donc Christ. Ils ont mangé le pain, effectivement, qui descendait du ciel, effectivement. Donc ils ont eu à pouvoir avoir effectivement la nourriture dont Dieu a pourvu dans tous les domaines en fait. Et ils ont vu cela, mer rouge ouvert effectivement, si ils ont traversé, mur de Jéricho, n'en parlons pas, il y a tellement de choses que Dieu a fait effectivement qui démontraient que Seigneur, ces dieux-là étaient vraiment puissants et vivants et en action. Ce n'était pas des statues là-bas comme des têtes d'oiseaux que les Égyptiens adoraient tout ça. Non, Israël avait un Dieu vivant qui parlait, qui bougeait, qui montrait effectivement, qui nourrissait son peuple, qui en prenait soin, leurs chaussures, leurs vêtements, mais c'est à peu près pendant 40 ans. Donc c'était le Dieu Tout-Puissant. Non seulement c'était, mais il est le Dieu Tout-Puissant. Mon frère et ma soeur, c'est cela que Dieu veut qu'aujourd'hui, parce que Dieu va vraiment clôturer l'histoire de l'humanité. Mais c'est sûr et certain, il faut que chacun de nous puisse comprendre sa place, effectivement, être positionné, qu'il ne puisse pas être quelqu'un qui dit, comme je l'ai dit, mais étant arrivé trop tard. Non. Donc, c'est pour ça que quand Dieu nous parle, effectivement, il nous fait introduire dans les choses beaucoup plus profondes,
Il faut qu'effectivement que nos cœurs soient ouverts. Et comme je l'avais aussi démontré l'autre fois avec mon frère Jonas, effectivement ici, auquel j'ai demandé la bouteille d'eau, que je le répète encore, cette bouteille d'eau était vraiment remplie. Et si vous remplissez encore, continuez à voir remplir la bouteille d'eau qui est remplie, ça ne vous sert à rien. Vous perdez encore davantage ce que vous mettez parce que ça ne va pas entrer. Et pour maintenant que ça soit effectivement bien, il faut vider la bouteille. C'est pour ça que le Seigneur dit, on ne peut pas mettre du vin nouveau dans de vieilles outres. Parce que pourquoi, Seigneur, les vieilles outres sont déjà secs, effectivement, dit, bon, la rigide, effectivement, carré dans l'air, je suis, vous mettez, effectivement, quand les vins nouveaux, quand ça commence à dilater, effectivement, comme ils sont tellement, dit, ça va exploser. C'est pour ça que vous voyez les colères, effectivement. Oui, il a dit ceci, il a dit ceci. Non, mon frère, si tu étais dans les outres d'œuvre, effectivement, tu verrais que quand la parole rentre et que ça bouge, effectivement, vous bougez avec. Vous prenez la forme, effectivement. Vous ne savez pas, mais oui, mais ceci, cela. Non, 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 non. Vous suivez les mouvements de l'esprit. La main de l'esprit, mon frère et ma soeur. Ne reste pas trop tard derrière. Toujours nous, c'était comme ça. Non. À plusieurs reprises, il a parlé à nos prophètes. Mais dans ces temps, il a parlé par les fils. Alors, ce ne c'est plus la même chose, mon frère à moi. Alléluia! Les choses ont changé. Tu restes en arrière, tu restes là-dedans, c'est fini. L'enlèvement ne te fera même plus. Non, mais c'est quand même quelque chose de tellement si important que vous compreniez que nous ne venons pas dans un théâtre. Il s'agit de ta décision. Ne joue pas avec ta vie pour des choses tout à fait inutiles qui ne servent à rien. À quoi ça sert à un homme de gagner le monde entier, d'avoir tous les buildings, tout l'argent, l'or? On peut même vous le donner, frère et soeur, mais ça vous servira à quoi? Dans les cercles, n'oubliez jamais cela, vous irez seul, sans papier, sans rien du tout. C'est pour ça que quand on apporte la parole de Dieu, vous êtes toujours distrait, vous avez pensé, même tout ce que vous faites, que vous voulez faire là, asseyez-vous, ne fût-ce qu'un moment. Bon, il y a ce qui me préoccupe, c'est mon diplôme. Et puis quand tu auras le diplôme? Bon, ça c'est ce qui me préoccupe maintenant, c'est mon mariage. Et puis quand tu auras le mariage? Quand je me demande, c'est maman ma maison. Et puis quand tu auras la maison? Et frère, oh la voiture, quand tu auras la voiture, tu voudras encore une autre. Tu voudras encore une autre. Tu voudras encore. Tout. Non, c'est-à-dire qu'en fait, réellement, vous ne savez pas ce que vous voulez, en fait. Dieu vous donne le meilleur. Et vous perdez du temps pour des choses inutiles. Mon frère, je dois me battre pour mon salut. J'ai besoin de pouvoir savoir où j'en suis avec Dieu. Parce que les mariages, tu l'auras. Les voitures, tu l'auras. Et puis, tu en seras même fatigué. Combien aujourd'hui sont sans mariés qui se plaignent pas? Ah, si je savais, je ne serais pas marié. Mais oui, bien sûr. Mais avant cela, quand on dit, mais non, je vais te tailler. Mais frère, mais non, c'est vrai, les gens ne comprennent pas. C'est extraordinaire. C'est terrible que les gens ne comprennent absolument rien. Frère, s'il faut mourir, si un jour, vous entendez qu'on vous dit que oui, Jésus va t'abandonner. Oh, là, il faut. Ah, là, il faut. Non, pas ça. Non, pas ça. J'ai pris Jésus. Dans la nuit, Seigneur, viens. Accroche-toi. Dis-moi ce que j'ai fait. Je dois me repentir. Ah oui, c'est ça, mon frère. Alléluia. Oui, madame. Oui, monsieur, et c'est la vérité, mon frère. Non. Toutes les autres choses, on peut vous enlever, laissez-les. Parce qu'il vous donnera encore au double de cela. Job. Il en a dit ce qu'il a perdu là-bas, cercueil. Et puis, la richesse qu'il avait, tout a été parti. Même son corps malade en plus. Il n'avait plus rien, un tesson pour se gratter. Mais jamais Job n'a maudit Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Oui, monsieur. Oui, madame. Job a dit, on dit, mais maudit Dieu, m'a dit jamais. Je préfère moi mourir, mais que Dieu soit glorifié. Il dit, il a donné, alléluia. Il a repris, alléluia. Que son nom soit glorifié. Toi aussi, sois comme ça. Nous ne vivons pas pour le bien de la terre. Nous vivons pour... Et la parole dit, mais recherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Premièrement. Et toutes les autres choses vous seront données. Job est resté tellement attaché à Dieu. Il avait 500 bœufs, il en a 1000. Au double. 500 chameaux, toujours 1000. Et il avait combien? Vous connaissez le nombre d'enfants?
Ils étaient combien? 10. Et combien Dieu lui a donné? Exactement ses enfants. Le même nombre de filles. Le même nombre de garçons. Dieu fait toujours ce que l'esprit de l'homme ne peut pas s'attendre, en fait. Parce qu'on limite Dieu. Donc, il nous est absolument nécessaire de pouvoir surtout chercher ce qui est plus important pour notre âme. Je pleure, je dis, mais Seigneur, tu leur parles, ils écoutent, c'est comme si ça rentre ici, ça sort là-bas. C'est-à-dire que si vraiment le point principal était ce que Dieu vous demande, c'est-à-dire Dieu lui-même, et puis votre frère, parce que c'est normal. Et ça devait être quelque chose de tout à fait... Je crois de tout mon cœur que Dieu vous a donné cela. Mais vous êtes tellement égoïste et que vous aimez tellement vous-même. Il faut comprendre une chose. Juste un exemple pour que les gens comprennent facilement. Vous savez, quand on prend une marmite, on met tout à l'intérieur, vous savez, la viande ou le poulet que vous faites dans le eh bien, tout cela, vous le cuisez sur le feu. Et quand vous le cuisez sur le feu, qu'est-ce que vous faites? Vous couvrez quand même, non? Je n'ai pas vu quelqu'un, à moins que je ne sais pas, moi, il y a peut-être une technique nouvelle. Vous savez. Cuisez la viande, elle est toujours, vous la couvrez avec le deux plein qui sort. Je crois que pour garder quand même la saveur, cuisez. Des oignons que vous avez mis, quand ça monte et tout ça, dès que ça passe, blablabla, ça reste là, ça rentre encore, ça se pénètre encore dans la viande. Je ne suis pas cuisinier, mais vous y êtes. Donc ça reste dans la viande. Hein? Parce que quand vous ouvrez, ça part, hein? Mais quand vous mettez là-bas la concentration, tout ça rentre dedans. C'est vrai, non? Qu'est-ce qui empêche maintenant, par exemple? Ben, c'est pour ça que vous comprenez. Quand tu as, c'est tellement bien cuit, pour pouvoir savoir que c'est vraiment bien cuit, qu'est-ce qu'on fait? On enlève. Quand on enlève le couvercle, vous sentez quoi? Ça fait du bien. Donc vous savez qu'il y a toute la saveur là-dedans. Mais aussi longtemps que le couvercle est dessus, vous ne connaissez même ni la qualité de la viande, ou du poisson que vous avez préparé, ni même son odeur. Donc, mais pourtant, tout est dans la casserole. C'est quand on, nous, on enlève ce couvercle que maintenant le parfum vient. Vous pouvez maintenant apprécier ce qui est à l'intérieur. C'est comme ça que vous êtes. Tous ceux que Dieu a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. Mon frère et ma soeur, c'est dont vous avez besoin. Dieu a déjà placé des choses. Je prie pour que vous puissiez comprendre. J'utilise peut-être le langage, je vais utiliser le langage tellement simple. Même des charbons et des casseroles pour que vous puissiez peut-être comprendre. Mais les gens qui ont les grands cerveaux, il faut qu'ils descendent un peu pour comprendre avec l'ABC. Parce que tout le monde quand même comprend charbon, casserole, avec couvercle. Maintenant, regardez. C'est pour ça que vous devez comprendre. Le plus grand ennemi, votre plus grand ennemi. C'est pas lui. C'est pas toi. C'est pas l'autre. Le plus grand ennemi. Vous le connaissez, non? Bon, alors, si vous le connaissez, pourquoi vous ne le chassez pas? Vous êtes toujours accroché à lui. Et vous me dites maintenant que vous le connaissez. Vous le connaissez d'abord. Vous le connaissez vraiment. Votre plus grand ennemi qui vous cause des problèmes. Tous les jours de votre vie. Vous le connaissez. C'est qui alors? C'est qui? C'est toi. Donc toi-même. Tu es l'ennemi de toi-même. Mais pourquoi tu ne le chasses pas? Tu l'aimes tellement. Moi. Mais c'est le moi-là qui t'est détruit. Vous me regardez, mais c'est la vérité. Et pourquoi ne pas le chasser? Parce qu'il faut le combattre, ce moi-là. C'est ça le problème, hein. C'est ça le problème, c'est ça le pied de l'ennemi, hein. Il est tellement accroché à toi, mais c'est ton adversaire. Oui. Tu dis, toi ici, adversaire de moi, je te regarde dans le miroir. Je ne veux plus te voir à côté de moi. Plus moi ici, non, fini. Ah oui, donc si tu le chasses,
alors tu verras comment ta vie sera. Tu ne seras plus jamais orgueilleux parce que c'est lui qui te dit, mais tu es meilleur, tu es ceci, ah moi. Donc tu dis, c'est lui, il ne vaut rien. Donc c'est ton adversaire. Alors que toi, tu dois avoir la victoire dessus, lui il est là pour t'empêcher. Mais c'est vrai, pas les frères, pas la soeur, mais toi-même. Mon frère, fais le travail sur toi-même. Pourquoi je me considère comme étant plus grand que lui? Qu'est-ce que je suis? Qu'est-ce que tu es? Qu'est-ce que tu veux me faire comprendre? Il n'y a rien de moi. Ce qui est plus grand en moi, c'est Jésus à moi. Alors si le Seigneur est en moi, il est en lui. Eh bien, nous sommes la même chose. Alléluia. C'est ça, mon frère, l'ABC, je vous en supplie. À ce moment-là, tu ne peux pas détester l'enfant de quelqu'un ou ton enfant. Non, 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 parce que tu regardes, mais ce n'est pas possible. L'enfant de mon frère, c'est mon enfant, moi. Le frère ici, il est comme moi. La soeur ici, il est comme moi. S'il est moi, si... frère et soeur, les choses seront différentes. On ne serait pas comme nous sommes. Notre problème, c'est nous-mêmes. On est toujours là. Il a dit, il nous a fait, il a fait. Bien sûr, mais... Et quand je suis, je combats les moi là, ben comment je suis effectivement? On peut dire, on peut faire. Je continue la marche. C'est pour ça qu'il dit, mais ne rendez point le mal pour le mal. Toujours rendre toujours vous le bien. Quand on te fait du mal, Seigneur pardonne. Seigneur accorde. Parce que Dieu t'a fait comme cela. Est-ce que vous suivez? Alors nous l'avons dit, écoutez. Alors dans les Saintes Écritures, nous avons dit dans les livres des Hébreux au chapitre 1, les temps. Au chapitre 1. Alors c'est pour ça que nous devons être très attentifs dans ce que Dieu nous donne. Pour que nous puissions savoir qu'effectivement, que nous ne sommes pas là pour écouter comme les autres écoutent, effectivement, religion, nous avons la connaissance. Non, 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 non. Il faut que les choses que nous entendons, Dieu veut qu'elles se trouvent en nous. C'est parce qu'on ne met pas en pratique la parole de Dieu que des problèmes continuent parmi nous. Qu'il y a de ceci, qu'il y a de cela, nous l'avons vu effectivement que Adam ne faisait pas des efforts. Adam, il aimait bien s'accompagner avec Dieu. Ce n'était pas une obligation pour son temps. Quand Dieu dit, par exemple, Adam, ton pantalon là, il est tellement un pantalon qui est tellement serré, serré, comme un petit saucisse avec des bâtons qui sont là. Il dit, c'est pas bon. Oh non, c'est la mode, c'est la mode. Dieu dit, c'est la mode. Il dit, c'est la mode. Moi, je te dis que ce n'est pas bon. C'est comme des bâtons qui sont sortis là. Adam ne pouvait pas discuter. Hein. Et dit, Seigneur, oh mon Dieu, donc tu vas dire que j'ai comme des bâtons qui servent dans les pieds. Pas de problème, je vais trouver un bon pantalon qui s'ouvre bien là, qui couvre bien quand je suis debout. On ne voit pas mes bâtons. Parce que tout le temps ici, on a toujours des présences. Et, écoutez, j'ai toujours eu à pouvoir dire, la parole de Dieu est prêchée. C'est surtout pour les enfants de Dieu que Dieu s'adresse. Parce que si vous commencez à monter dans le cœur, parce que ce n'est pas moi que vous combattez. Vous dites à Dieu, non, 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 Seigneur, tu ne connais pas. Tu ne connais pas. Et les John a fait sortir la mode. Et toi, tu étais où? Tu étais dans l'ancien temps. C'est ce que vous pouvez dire. Mais c'est vrai. Quand on te dit, toi, dis, non, pourquoi tu veux nous renvoyer encore? C'est comme ça, les jeunes. Ils nous envoient encore au Moyen-Âge. Non, maintenant, nous sommes au temps. Dieu, il faut considérer. Il faut être à la page. C'est comme ça que vous dites, non? Il faut être à la page. Vous êtes à la page, effectivement. Et vous pensez que Dieu n'est pas à la page? Avant que la page soit lui, il était. Frère, vous vous prenez pour des gens qui sont intelligents. Tous ces gens-là vont dans les trucs des démons et tout ça pour prendre les choses. Qui doivent vous dire, mais c'est vrai, pour pouvoir moindre être souillant aux yeux de Dieu, bien sûr que oui. Qui ne connaît pas la page? Qui ne connaît pas l'habillement? Qui a habillé Salomon? Frère, vous vous prenez pour qui? Que vous êtes, ah, non, la mode. Vous vous habillez comme des chiffons et des saletés. Vous dites que nous sommes habillés. Et puis vous êtes tout dit, mais c'est la vérité, non? Oh, vous ne connaissez pas, frère, vous ne connaissez pas. Je remercie Dieu qui nous a gardés quand même avec la pensée de l'ancien temps. Amen. Même si mais nous sommes heureux. Parce que si Dieu est apaisé à mon endroit, je glorifie Dieu. Mais si Dieu est quand il est en colère, parce que tu vois là, qui est un bouton dans les trams, tout ça, parce que j'ai vu l'amour dans les journaux, et quand je porte comme ça, tout le monde est comme ça. Mais toi, tu n'es pas comme tout le monde. Non, tu n'as pas besoin d'avoir l'esprit du monde. Toi, tu es appelé à avoir l'esprit de Dieu.
Ça, c'est l'Esprit de Dieu, ne peut pas. Et si ça, c'est quoi? C'est dans le livre des Galates, hein? Je crois que c'est pas Galates, il y en a très bien, je pense bien que c'était qui là. Nous revenons dans les Corinthiens, s'il vous plaît. Dans les Hébreux. Les Galates, je pense que c'est cela. Je pense que c'est cela, je pense que. Ah, voilà, Galates chapitre 5, verset 16. Vous suivez? Galates 5, verset 16, il dit: marchez donc selon l'esprit. Vous voyez l'esprit en question? Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Vous comprenez ça? Car la chair a des désirs. Dis bien, la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont donc opposés entre eux, en fait que vous ne fassiez pas ce que vous. Voilà. C'est ça le combat, en fait. Nous sommes dans la chair. Et nous avons le plaisir, nous avons le point de vue. Et vous remarquerez très bien que si vous continuez plus loin dans cette écriture, on lui dit, mais ceux qui sont à Jésus-Christ notre Seigneur, on fait quoi? On crucifié. Ça, c'est vraiment la chair avec quoi? Avec ses passions et ça, on ne vous a pas obligé. Hein? Et on ne vous oblige pas. C'est ça le combat que vous avez. Jeune fille, jeune homme. Parce que si je ne suis pas la mode, comment est-ce qu'on m'aimera? Comment est-ce que je serai attirante? Mais non, vous ne devez pas devenir une chienne, comme je dis toujours, comme une viande au marché. Non, soyez simplement respectable, honorable. Les hommes vous respecteront. Vous n'avez pas à faire des serrages, des ceintures, je ne sais pas moi quoi. Et comme vous le faites, vous connaissez vous-même, je n'ai pas fait des dessins ici parce que je ne passais pas longtemps. Vous le savez d'ailleurs, vous savez vous-même. Il faut serrer, il faut serrer. Puis quand on dépasse, voilà, il faut que la bâtisse en voiture. Soyons ce que nous sommes, honorables, respectables. Nous le faisons parce que nous sommes des serviteurs de Dieu. Parce que vous voulez quand même un peu me voir, je vais ici avec un t-shirt Hollywood. Hollywood, l'étoile du monde, ça ne sait absolument rien. Avec les. Vous trouvez ça normal? Ou soit comme parce que c'est l'été, tout ça, c'est le temps de shorts, de pantoufles, quoi. Je viens ici aussi avec. Ah oui, c'est ça. C'est pas normal, hein? C'est là, si vous commencez dans ce que vous dites, ah, Seigneur, c'est pas possible. Eh bien, pour vous aussi, ça va, pour vous aussi, ça ne peut pas être possible, là. Donc, il faut qu'on soit bien propre hein, pour aller dans la maison du Seigneur. Pas comme si on vient n'importe. Non, 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 c'est la maison du Seigneur, on honore Dieu, on vient proprement, on ne veut pas délabrer quand même. Hein. Ah, je veux dire que quand vous avez la possibilité de pouvoir quand même avoir quelque chose de propre, j'ai toujours vu, même dans, vous savez, dans toutes les églises, effectivement, que ce soit d'illumination, un dimanche, mais tout le monde, même s'il n'a pas de moyens, il va cirer ses chaussures, il a dit, mais c'est le jour du Seigneur. S'ils savent le faire. Vous ne faut pas quand même comme si vous êtes tellement évolué que vous puissiez pouvoir vous habiller, vous vous déshabiller. Mais c'est quelque chose que ça doit être en nous. Pas l'obligation, mais on sent que le Saint-Esprit est là, il conduit effectivement. Parce que parfois, vous vous battez contre le Saint-Esprit. Hein. Dans la maison, vous rentrez la garde-robe, effectivement, vous mettez, c'est tellement... Vous faites, non, ça va, je vais faire comme ça, vous savez ce que vous cherchez, vous dites, mais non, je ne fais pas ça. Donc ne mettez pas ces jupes-là, ne mettez pas ces pantalons-là. Non, ça va aller vous forcer, et vous venez quand même, effectivement. Vous allez sentir qu'effectivement, que la journée ne sera pas tellement très bonne. Hein. Hein? Vous aurez même porté cela et puis vous sentirez à cet moment comme si vous-même. Parce que l'attention que vous désirez, effectivement, vous ne l'a pas trop donnée. On n'a même pas remarqué que vous l'aviez. Que vous étiez même là. Ah, tu étais là. Donc j'ai fait tout ça ici pour passer inaperçu. Nous, je ne t'avais pas vu. Nous, c'est vrai, sœur. Non. Je ne peux pas comprendre que tu ne m'avais pas vu. Non, j'ai dit, je ne mens pas, je dis la vérité. Je crois que c'est comme si j'étais aveuglé. Donc vous comprenez que c'est nécessaire pour nous, effectivement, de revenir aux choses qui sont importantes de notre vie. Alors,
Dans les livres des Hébreux, effectivement, comme nous l'avons lu, au chapitre, nous avons lu le chapitre 8, effectivement, dans, enfin, le chapitre 8, je pense que c'est cela, pour que nous puissions entrer dans les choses. Regardez très bien. Chapitre 8, et savoir cela, et ça, c'est absolument nécessaire pour que nous entrons dans cela. Alors, il nous fait savoir que le point capital de ce qui vient d'être dit, chapitre 5, chapitre 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, ce que nous avons un tel souverain sacrificateur, qui s'est assis donc à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux, comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle, qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. D'abord, nous comprenons effectivement que maintenant là, comme nous pouvons le voir effectivement dans le... merci beaucoup. Dans le tableau qui est juste derrière moi ici, il nous est donc montré que tout ce que ici, c'était donc les tabernacles, je reprends tout de suite, les tabernacles, donc ils servaient dans un tabernacle terrestre, donc ce qui est dans le... Tout ça, donc, c'est cela aussi, effectivement. Donc, tout ça, donc, on dit, c'est tabernacle, ordonnance, occulte. Et tabernacle terrestre. Ah, c'est ce qu'il a donc ceci là-dedans. Maintenant, effectivement, pour que vous puissiez comprendre, et c'est cela qui est important aussi, nous sommes transportés dans cette dispensation qui est donc le Nouveau Testament, c'est-à-dire la Nouvelle Alliance. Parce que ceci, c'était donc l'Ancienne Alliance à rapport avec les choses terrestres. Donc, tous ceux qui rendaient ces cultes-là, c'était toujours en rapport avec les choses terrestres. Et ici, à cet endroit-ci. Parce que c'est là qu'ils faisaient. Mais maintenant, étant passé par ici, vous savez comment cela s'est passé pour que ce soit qu'on passe par ici. Je répète encore. Lui, le Fils, donc, il est le médiateur d'une nouvelle alliance. C'est celui, en fait, qui doit être, il doit être considéré comme étant le concepteur et même, effectivement, la personne par qui, effectivement, la nouvelle alliance est venue à l'existence. Parce que, ici, Dieu l'avait simplement annoncé. Les jours viendront, où je ferai une nouvelle alliance avec Israël. Vous souvenez, non? Donc, Dieu l'a annoncé, c'était le désir de Dieu. Profond désir, en fait, de lui. Et lui, là, il est l'accomplissement des désirs qui étaient en Dieu. Son désir, ou quand Dieu regardait, il dit, mais cette alliance-là, je la fais. Mais comment la faire arriver? Parce que c'est une nouvelle. Parce que ceci est ancienne. Là, mais comment faire en sorte que ceci puisse arriver, en fait? Parce que c'est en rapport avec ceux qui sont ici, qui font un culte, en rapport avec les choses qui s'intéressent. Et quand même, ils les font. Lorsqu'ils terminent leur course, ils vont là en dessous. Il faut que, dans la nouvelle alliance, effectivement, alléluia, que quand ils font leur culte, effectivement, là, ils n'aillent plus en dessous, mais qu'ils aillent au-dessus. Alléluia! Amen. Qui va le faire? Je regarde parmi les prophètes même, il y en a tous, ils sont là, ils sont dans les péchés d'abord. Oui, monsieur, oui, madame. Tous conçus dans l'iniquité. Et tout ce qu'ils peuvent faire, même leurs jeûnes et leurs prières, effectivement, ne pourront jamais les amener là-bas. Toujours là en dessous. Pour leur préserver, j'ai trouvé un substitut que j'ai donné. C'est le sang de taureaux et les boucs. Mais ce sang-là ne pourra jamais arriver à pouvoir les aider, à pouvoir trouver un moyen pour monter. Parce que eux, leur sang est supérieur. Et le sang des animaux et des boucs, c'est vraiment inférieur. Ne peut même pas prendre la place de l'homme. Alors, quel est l'homme qui peut prendre la place de l'homme? Vous comprenez? C'est la raison pour laquelle nous devons nous réjouir de ce que nous sommes passés par ici. Plus par là.
Branham nous dit effectivement, tout ceci était simplement pour un temps de réformation. Donc jusqu'à un temps de formation, effectivement. Si. Oh, Dieu, dans sa façon de pouvoir faire les choses, il annonçait qu'il voulait le faire, il comptait le faire, et c'est la chose, le point final, et qu'il voulait atteindre, en fait. Ouais. Ah, et puis on nous fait savoir juste que la loi était un pédagogue. Est-ce que vous comprenez? Pour nous conduire, pas au prophète. Jamais. Jamais. Dieu, que Dieu te bénisse, qu'il te bénisse, ma bien-aimée, qu'il vous bénisse. Vous avez compris. Donc là, ça n'a pas été donné pour conduire un prophète. Non. C'était un pédagogue. Donc il devait tout vous enseigner pour nous montrer que ne me regardez pas. Je vais vous conduire à là où on m'a dit de pouvoir vous conduire. Alléluia. Mais vous conduire à Christ. C'est écrit. Pas une finalité en soi. Ah, nous sommes heureux d'avoir Dieu. Comme maître, comme docteur. Comme prophète, comme abon, qu'il soit béni. C'est merveilleux que tout soit en lui. Alors nous sommes rassurés, frère. Parce que l'homme est faillible. Mais lui, jamais, mon frère. Lui, il nous amènera toujours de hauteur en hauteur, de gloire en gloire. Que son nom soit béni, mon frère. C'est pour ça que j'ai toujours dit, mais c'est lui qui n'aime pas mon Jésus de la Bible, qu'il soit maudit. Et il est maudit. Et c'est vrai, 100%, ma soeur. Oui. 100%, il est maudit. Alors, celui qui est maudit n'ira pas au ciel. Non. Alléluia. Parce que lui, il a dit, le ciel est mon trône. Donc là, effectivement, voyons que nous, c'était donc censé de pouvoir entrer dans cette dimension-là. Mais quelle grâce de pouvoir savoir d'abord que pour que cette dimension puisse voir son existence, effectivement, il a fallu qu'il y ait une souffrance énorme. Parce que la personne qui devait nous introduire dans cela, alors il devait vraiment souffrir. Ah oui. C'était pas que, bon, il vient comme ça, bon, je vous introduis. Non. Lui-même, parce que la Bible, et c'est Dieu, c'est la loi de Dieu, et il ne peut pas changer ce qu'il a dit. Il a dit, sang, c'est fusion de sang, il n'a point de... Parce que le pardon, c'est, enfin, le péché, et c'est lui qui a créé la séparation entre Dieu. Et là, pourquoi est-ce qu'Adam a été chassé? Il était bien. Il était obéissant. Mais c'est quand le serpent est venu, il a introduit les péchés. Ah, c'est ça que vous comprenez, que ça veut dire l'incrédulité à la parole de Dieu. Vous êtes assis là, la parole est prêchée, et il vous fait raisonner. Il dit comme ça, vous n'aimez pas interpréter mes gestes. Comme je disais, enfin bref, c'est pas nécessaire. Parce que vous êtes censé pouvoir écouter, être vraiment très attentif, parce que vous ne pourrez même pas être un docteur. Vous savez, Satan ne peut pas vous instruire de choses qui viennent de Dieu. Nous allons le voir aussi plus loin, et c'est la vérité. Nous allons le voir aussi plus loin pour que vous puissiez aussi comprendre quand on a eu à pouvoir parler dans la semaine. Aussi c'est important, je pense maintenant, c'est nécessaire. Donc, comme je vous l'ai dit aussi, tout à l'heure, au début, j'ai dit, je vous ai posé la question, qui est votre adversaire? Vous avez tous répondu que c'est vous. Donc, comment pouvez-vous faire confiance à vous-même avec des raisonnements, puisqu'il c'est vous qui êtes adversaire de votre adversaire. Est-ce que vous comprenez? Vous ne pouvez faire confiance à la parole de Dieu. C'est pour ça que j'aime bien la parole. Il dit, au reste, frère, et tout ce qui est pur, ce qui est vrai, digne d'approbation, digne de louange, ainsi de suite. Donc, yannada, il dit, soit toujours l'objet de vos pensées. Donc, quand je suis comme ça,
Je laisse à Dieu le temps de pouvoir m'instruire. Vos pensées sont... On me dit, mes pensées sont au-dessus de vos pensées et vos pensées sont en dessous de mes pensées. Vous comprenez cela, non? C'est pour ça que nous devons toujours faire très attention, effectivement. Donc, comme nous avons dit, donc, pour rentrer là, la personne qui devait vous faire rentrer, c'est pour ça, dans les livres des Hébreux, au chapitre 10, je pense que c'est cela, il dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande. Mais tu m'as formé un corps. Je suis venu au Dieu pour faire ta volonté. Est-ce que vous connaissiez effectivement la volonté de Dieu? Pour que ceci-là puisse venir. Puisse avoir, parce que c'est le summum. Vous savez que tous les prophètes, ils vivaient, mais ils savaient une chose. Un jour, il devra venir. Vous le saviez? Est-ce que vous le saviez? Vous dites comme ça parce que, bon, vous dites que c'est d'être, on sait bien, vous l'avez quand même lu. Parce que c'est dans, tout doit être dans la Bible. Nous ne devons pas faire confiance quand on dit, ah, blablabla, non. Frère, mon frère, s'il te plaît, si tu me le dis, mais prouve-le-moi que, toujours, que disent donc les saints. Ça doit être votre façon de vivre. On va vous dire, oh, tel grand savant a dit, tel grand prophète a dit, oh, je te remercie pour ce qu'il a dit. Vraiment, je suis heureux qu'il y ait des hommes comme ça qui ont parlé tellement si bien. Mais maintenant, dis-moi, que disent donc les saints? C'est ça. Parce que, vous permettez? 1 Corinthiens chapitre 15. Je vous ai enseigné. Corinthiens chapitre 15. Voilà, 10 là. Voilà. 1 Corinthiens chapitre 15. Je vous rappelle, frère, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu et dans lequel vous avez persévéré. L'évangile, hein? Et par lequel vous êtes sauvés, pour autant que vous le reteniez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru comment? Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi. Que Christ est mort pour nous, pour nos péchés, c'est long. Toujours c'est long. Vous comprenez, mon frère et ma soeur? Donc, quand un véritable homme de Dieu entre en scène, alors comme l'apôtre Paul nous l'a fait savoir, c'est long, les Écritures. Alors, dans la Bible, vous avez fait comprendre. Vous avez suivi? Vous avez compris? Alors, dans les Saintes Écritures, déjà, Isaïe nous l'a fait savoir. Qui a cru à ce que nous avons donc à Isaïe 53, je pense que c'est ça. Voilà. Oh, merci Seigneur. Voilà. Qui a cru à ce que nous avons. Verset 1. Et qui a reconnu le bras de l'Éternel. Il s'est élevé devant lui comme une faible, comme un rejeton qui sort d'une terre. Vous voyez comment, même sa naissance, quand il devait entrer en scène dans le monde, que Dieu soit glorifié, que Jésus-Christ soit béni, mon frère, qu'il soit élevé, qu'il soit glorifié, qu'il soit vraiment aimé. C'est celui dont nous devons chanter, personne, de tout notre cœur, à chaque jour, à chaque instant. Tu passes, tu penses à Jésus. Tu dors, tu penses à Jésus. Tu te réveilles, tu penses à Jésus. Tu dis, Seigneur, viens me chercher, parce que je veux être avec toi. Oui, monsieur. Alléluia. Oui, madame.
Au moment où il entre simplement en scène, le monde est en guerre. Amen. Les domaines spirituels sont en guerre parce qu'il a dit, mais tout le enfant, parce qu'il dit, mais nous avons vu son étoile. Wow! Oh, et nous avons quitté là-bas parce que nous voulons l'adorer. Déjà, leur expression de pouvoir s'exprimer, ça devait faire comprendre effectivement aux gens, mais c'est lui-là qui est né. Non, celui qui est né là, il est plus que tout parce qu'il est né. C'est vrai. Parce que qu'on parle d'adoration, ça veut dire qu'on ne peut qu'adorer que Dieu lui-même. Un enfant nous est né. Un fils nous a été donné. On l'appellera admirable, conseiller. Prince, alléluia. C'est pas vrai? Amen. Dieu puissant, amen. Père éternel. Amen. Isaïe. Alléluia. Ah. Bien longtemps, mon frère. Ce qu'il disait les saints, c'est qu'il devait venir maintenant. Celui qui va venir. Alléluia. Oh oui. C'est nécessaire, mon frère et ma soeur, que nous comprenions tous. C'est pour ça, ne regardez pas ailleurs, mais prêtez attention, l'importance de Saintes Écritures. Oui, de ce que tu as. Et là, comme on nous le fait savoir, effectivement, que même de l'instant où Marie, d'abord, quand il a commencé à pouvoir... Et vous connaissez cela, nous l'avons entendu. C'est pour ça que quand Dieu nous parle dans l'état, il savait pour que nous puissions avoir cette connaissance, pour comprendre les choses qui doivent venir. Vous me suivez? Amen. C'est-à-dire que quand vous venez, vous devez quand même comprendre que chaque prédication que Dieu nous donne, c'est que pour puissions, c'est comme des briques, j'ai toujours dit, hein, c'est comme des briques qui doivent être assises, en fait. Ne pas oublier parce que nous devons entrer dans le plan de Dieu. Parce que vous savez que Marie vivait en Galilée. Vous savez, non? Puis, presque à terme, en Galilée. Et comme elle avait dit, et toi, Bethléem, Amos, c'est quoi ça là? Michel, je pense, et toi, Bethléem. Vous connaissez cela, non? Amen. Donc, il ne devait pas naître en Galilée. C'était donc à Bethléem. Malgré que sa condition était telle que quand on l'a envoyé, on ne pouvait pas le dire. Aucun homme hein, qui a sa femme qui est déjà à terme, comme nous l'avons entendu ce matin avec mon frère Juliard, qui est parti, la femme dit, maintenant je commence à sentir que ça commence à descendre et tout ça. Et frère Juliard n'a pas dit, bon, on va maintenant prendre l'avion pour aller à Kinshasa. Venez vite à l'aéroport, on prend l'avion pour aller à Kinshasa. Jamais il peut penser à cela. Il dit, non, ici, maintenant, cherchons l'hôpital qui est tout près là pour que tu puisses accoucher. Il ne va pas aller loin, c'est dans la ville où il habite. Ah oui, qui peut prendre un risque comme ça? Mais Dieu qui avait dit, pas en Galilée, même si le bébé est là, c'est à Bethléem. Et alors, pour renforcer la chose, il fait faire en fait qu'il y ait une décision mondiale, que tout, dont chacun, oui, l'édit d'Auguste, mais c'est sur la terre entière. Vous n'avez pas lu l'écriture? Il faut lire. Amen, amen. Tous les événements concordent à ce qui complique. Ce que Dieu a dit, ça doit s'accomplir. On a pris la décision, dit personne n'est resté autre part, seulement dans sa ville natale. C'est écrit. Donc ni Joseph ne pouvait pas commencer à juger les explications. Il dit, non, monsieur, ici, on va t'arrêter. Il dit, mais je ne vais pas perdre ma femme. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Ah, Seigneur, aide-nous sur la route. Oui, il aidera. Parce que là, c'est sa volonté. Parce que Marie ne pouvait jamais m'accoucher en cours de chemin. Jamais. Non. Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur. Elle doit arriver jusque là. À Bethléem, mon frère. Pas entre Judas et Bethléem. Non. À Bethléem, à l'endroit où devait coucher, c'était quoi? Dans un lieu où il y avait des animaux. On a cherché des hôtels là. Une étoile, il n'y en avait pas. Au monde dans des étoiles, il n'y avait pas. Dans trois étoiles, rien. Quatre étoiles, rien. Cinq étoiles, il n'y a plus rien, monsieur. Bon, alors, zéro étoile, il n'y en a même pas. Et où est-ce que je peux aller?
Ah ben, on ne sait pas tellement. Non, Dieu est bon. Alléluia. Non, 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 non. Quand Jean le Baptiste l'a vu venir, il a dit, mais voici qui, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché, dont les agneaux sont les étables. À l'endroit qu'il fallait. Ou, non, en tout cas, Dieu s'est vraiment humilié. Oh, ni toi, ni moi. Nous, quand même, quand on est peut-être qu'ils sont des, bon, on peut être dans des maisons, dans des endroits comme ça, dans des maisons, mais pas quand même là où il y a des animaux. Maintenant, vous êtes là, alléluia, ceci sauvé. Vous ne savez pas combien il a souffert. Puis tu deviens orgueilleux, tu dis, moi je suis plus spirituel que ma sœur. Et c'est ta sœur, non, non, tu méprises ta sœur. Tu ne sais pas d'abord la valeur de ce qui a payé pour que tu puisses avoir ce salut-là. Pensez-y, mon frère. Pensez-y, ma sœur. L'orgueil vous monte tellement, mais pour que vous soyez celui que Dieu maintenant agrée, que nous appelons, quelqu'un a vraiment souffert. Et alors, mais dans le moindre détail, même de sa naissance. Il est né dans un endroit où tu ne peux même pas naître, toi. Et tu es devenu tellement si orgueilleux. C'est ça, comme on dit. Vous vous souvenez ce que nous avons dit, non? L'orgueil, c'est la profonde. C'est ça. Vous avez l'impression que mais vous n'êtes rien. Si c'est lui qui a fait cela pour vous. Parce que quand Siméon, quand on parle de salut, quand Siméon l'a touché, il dit, teigne maintenant accorder la grâce à ton serviteur, que son serviteur parte en paix, qu'il se repose en paix. Parce que mes yeux ont vu ton salut. Maintenant je peux partir, Seigneur. C'était conformément à la parole de Dieu. Tu ne vas pas mourir sans avoir bu les justes. Il l'a vu. Salut. Les anges lui ont aussi annoncé, non? Vous venez aujourd'hui dans la vie de David. Un sauveur. Je vous annonce une bonne nouvelle qui sera un sujet de joie pour tout le peuple. Dieu m'a accordé la grâce d'être parmi ceux-là. Oui, monsieur. Oh, que son nom soit béni. Il y a un frère qui a compris. À Bethléem, nos aînés, les sauveurs. On l'appelle Christ le Rédempteur. Réjouissez-vous de son royaume. Merci. Que Dieu te bénisse. Vous voyez que ça inspire même. Nous devons être de ceux-là qui, même quand on va sur le travail, on chante Jésus. Notre journée ne peut pas se terminer sans chanter Jésus. Quand je reviens dans ma voiture, je chante. Non, frères et sœurs, ils le méritent. Nous n'avons même pas cherché à élever un homme. Pourquoi? D'où nous pouvons-nous venir quand même, cette profonde, à moins qu'on soit vraiment dépossédé, un fils de malin, quoi. Nous n'avons rien à voir avec l'histoire du salut. Est-ce que vous comprenez? Parce que quand toi, tu as à voir avec l'histoire du salut, là, tu sais d'où tu viens. Tu sais ce qu'il a fait. Donc, pour que nous entrions là. Alors, on nous fait savoir qu'effectivement, que c'est dans ces conditions-là qu'il est né. Et quand il a commencé même à grandir. Et quand même, il est entré en scène. La Bible nous fait savoir dans Isaïe 53, comme ça, il dit, mais il s'est élevé devant nous comme une faible plante. Comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée, il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer, et son aspect n'avait rien pour. Voilà. Là, il ne faut même pas dire un mot. Il ne faut même pas ajouter quelque chose. Je crois que chacun de vous comprend. Alors, nous continuons. Il dit, mais méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Donc voilà
pour ton salut. Ce que l'auteur de ton salut et du mien a eu à pouvoir vivre et expérimenter aussi. Ces saluts que toi et moi nous possédons, ça a coûté à quelqu'un. Vous entendez que nous sommes sauvés par grâce. C'est parce que quelqu'un a payé. C'est pour ça aujourd'hui, tu peux dire, Seigneur, merci, j'ai dit, je suis sauvé, mais il y a eu un prix. Ma soeur, est-ce que vous m'entendez bien? Alors, quand tu entends qu'il y a eu un prix qui a été payé pour toi, pour qu'aujourd'hui tu puisses dire, Seigneur, gloire à toi parce que j'irai dans l'enlèvement. Gloire à toi parce que tu m'as sauvé, tu m'as guéri. C'est-à-dire qu'en fait, que ce que tu entends que la personne a pris, quelle serait donc ta réaction dans ta marche, effectivement, de tout le jour? Alors, peut-être que vous ne comprenez pas très bien. Vous me direz que, en retour, ce que je dois faire, c'est de l'aimer de tout mon cœur. C'est vrai ou pas? Je me suis trompé? Quand on entend qu'il a fait ça pour moi, et qu'il a souffert, il a payé, pas pour lui, mais il a fait pour moi. Vous m'entendez? Moi, je ne le connaissais pas. Moi, je ne l'aimais pas. Je ne lui ai même pas apporté ni les feuilles de manioc, ni les poulets que j'ai préparés, ni les riz que je peux faire. Vous me suivez, mes soeurs? C'est important, ça, soeur. Je ne l'ai même pas apporté ni les gâteaux, ni les chocolats. Tout ce qu'on peut donner à un homme, il n'a jamais eu ça de vous. Ni de moi non plus. Il n'a pas attendu que toi, tu lui fasses un cadeau. Il n'a pas attendu que toi, tu puisses lui préparer la nourriture. Il n'a pas attendu que toi, tu dises que tu dises pas de bonnes paroles. Ah, il est bon, peut-être parce que c'est bon. Pour que, par exemple, on se dise, ah, cette personne est meilleure. Il n'a pas attendu ces mots-là de ta part. Est-ce que vous me suivez? Mais il a payé le prix pour toi qui étais coupable. Et tu me répondras, en retour, je dois l'aimer. Et alors, je t'ai posé la question. Comment toi, tu peux aimer quelqu'un que tu ne vois pas? Et que tu détestes donc ton frère et ta soeur qui est juste à côté de toi. Vous voyez pourquoi je vous ai dit la fois passée que quand tu as une haine contre un frère, une soeur, n'importe de quelle manière, tu n'es pas sauvé. Vous pouvez l'écrire parce que le jour où vous êtes dans votre cercueil, ne direz pas, Seigneur, moi, parce que, vous savez, le diable vous enseigne, non, frère, ma soeur, vous êtes sauvé. Je vous dis, voulez-vous que je vous lise encore? Bon, je vais vous montrer. Parce que vous dites, quand vous sortez, non, moi, ça fait 1850 que je suis sauvé. Non, les tests de la parole te montrent que tu n'es pas sauvé. Malgré que tu chantes, malgré que tu fais ceci, malgré que tu fais cela, tu n'es donc pas sauvé. Donc, attends, je pense que c'est dans Pierre, dans Jean, voilà. Je vous dis encore. Ça, c'est le... 1 Jean chapitre 3, hein, je dis. Verset 9. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la sémence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Vous comprenez cela? Donc il ne va pas douter ce que nous entendons. C'est par là qu'il se faut reconnaître quoi? Les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu non plus. Non plus que celui qui n'aime pas son... Vous entendez bien? Alors écoutez bien, vous dites, oh frère, moi j'ai l'amour de Dieu, moi je suis sauvé. Car ce qui vous a été annoncé, ce que vous avez entendu dès le commencement, n'est-ce pas vrai? Ce que nous devons nous aimer les uns, nous devons nous aimer les uns, les autres. Nous devons nous aimer les uns, les autres. Et quoi? Et n'est pas, lisez-les un peu plus haut, et n'est pas ressemblé à qui? À Caïn. Et Caïn qui était quoi? Du malin. Donc n'est pas ressemblé à Caïn, qui était donc du malin. Et qui fit quoi? Il tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises. Oui. Et que celles de son frère étaient quoi? Ne vous donnez pas donc, frère, si le monde vous... Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons. Les frères. C'est lui qui n'aime pas
demeure dans quoi? Est-ce que, maintenant nous continuons. Et quiconque déteste son frère est un quoi? Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a quoi? Demeurant où c'est? Alors comment vous me dites que vous êtes salué? Vous avez le salut. C'est biblique, mon frère. C'est biblique, 100% biblique. Vous avez la haine, vous avez les mauvais pensées. Oui, monsieur, oui, madame. Dites pas, Seigneur, non. Moi, je crois en toi. En 1840, c'était écrit. Bien sûr, monsieur. Mais quand on passe par les tests et la parole de Dieu, parce que c'est la parole qui doit nous rassurer que nous l'avons reçue, oui ou non. Amen. Alléluia. Amen. Parce que si tu l'as reçue, hein, tu reçois un nouveau cœur. Alors, si tu as une haine contre ton frère et ta soeur, tu n'as pas le salut, mon frère. Parce qu'aucun meurtrier ici n'a la vie éternelle demeurant en lui. Donc, il n'a pas le salut. Oh, la vie éternelle, c'est Jésus-Christ lui-même. Donc, Jésus n'est pas en toi. Alléluia. Vous pouvez m'expliquer ce que vous voulez avec votre docteur, les démons, c'est le vôtre. Mais l'enseignement biblique est là. Je vous ai posé la question, qui est votre adversaire? Vous m'avez répondu qui ça? Et vous voulez maintenant faire quoi avec votre raisonnement? Vous devez chasser maintenant les raisonnements et accepter la parole de Dieu qui nous démontre qu'effectivement... Alors c'est comme cela que lui il a fait. Il a souffert, il a supporté. Oui, toi et moi nous l'insultions, nous n'en voulions même pas. C'est pour ça, mon frère et ma soeur, le Seigneur te dit à toi, toi qui es un fils de Dieu, une fille de Dieu, parce que nous allons y arriver, parce que nous avons, c'est dans les esprits, toi qui es un fils de Dieu ou une fille de Dieu, quand Dieu t'a déjà mis à côté, qui t'a choisi, il a dit, quiconque est né de Dieu, il est né de Dieu, il est né de Dieu, ne pratique pas. Donc, vous savez, ce que vous entendez ici, c'est un jugement. Hein? Oui. Vous ne direz pas, moi je pense, c'était non, non. Dieu t'a dit, si tes pensées-là ne sont pas mes pensées, voici donc mes pensées. C'est pour ça qu'il a dit que tu aimeras l'éternel ton Dieu, de tout ton cœur, de tout ton âme, de ta pensée, de tout ton être, et tout ce que tu es, effectivement. Nanana. Et voici un autre commandant qui lui est semblable. Il n'a pas dit que tu ne commettras pas d'adultère, tu ne voleras pas. Non, 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 non. Tu aimeras ton prochain comme que Jésus nous aide. Amen. Oui, je ne vois pas un frère ici qui s'est dit moi je suis candidat à l'enfer, je vais aller en enfer. Alors si toi tu te dis que tu n'es pas candidat à l'enfer, pourquoi ta soeur serait candidat à l'enfer? Vous me regardez, je prie que Dieu nous aide. Et il nous aide par sa parole. Mais les problèmes, c'est vous. C'est ça le problème. C'est pas la faute de Dieu, c'est Dieu a toujours eu un pouvoir. Donc, on nous montre que jusqu'à la croix, il est allé. Parce que l'exigence de Dieu pour que cette partie ici puisse disparaître, parce que ça doit. Parce qu'il sait très bien que c'était imparfait. C'est pas moi qui dis, hein. C'est écrit dans le livre des Hébreux, nous l'avons lu avec vous. Est-ce que vous suivez bien? Quand vous rentrez à la maison, vous allez réécouter encore, dans les calmes, effectivement, pour que ça rentre en vous. C'est nécessaire, mon frère. Oui, très nécessaire. Alors, nous comprenons, effectivement, parce que tout ça ne pouvait jamais amener l'homme à la perfection. Il dit, parce que ce que moi je veux, ce que je soupire, c'est que l'homme soit parfait. Mais pour qu'il passe de là, ici, il faut que ça soit l'homme. Mais l'homme est imparfait. Tout ce qu'il peut faire ici, il peut même l'accomplir, mais il ne sera jamais parfait. Parce que ça, d'abord, ce n'est pas parfait. Il faut maintenant que... il y ait un moyen par lequel doit être parfait et ce ne soit pas, c'est pas moi qui dois le faire, mais que ce soit l'homme qui le fasse. Est-ce que vous me suivez? Parce que vous devez comprendre, frères et sœurs, que c'est lui qui a péché. C'est pas Dieu quand même. Et pourquoi Dieu fait payer les prix? C'était l'homme qui doit payer.
Est-ce que maintenant? Non. Il est bon. Il est d'une seule. Est-ce que vous me suivez? Je ne sais même pas, vous me regardez. Je ne sais pas, vous me comprenez. Je ne sais pas si vous comprenez. Ça n'a jamais été Dieu qui avait péché. Il a dit, Adam, où es-tu? Adam n'a pas dit, Dieu, où es-tu? Adam, où es-tu? Il est venu. Donc lui, il a tenu toujours, il a toujours été fidèle à lui-même. Et il vient au rendez-vous étant toujours fidèle. Alléluia. Que Dieu te bénisse. C'est la vérité, mon frère. Il n'a pas abandonné Adam. Non. Il est toujours venu au rendez-vous pour chercher son Adam. Et c'est quand il est venu, il regarde au lieu où il était. Adam n'était pas là. L'objet de son amour et de son cœur. Parce qu'il peut quitter son trône et venir là. Pour parler avec son Adam. Les anges ne comprenaient rien. Mais Dieu est Dieu. Il dit, Adam, où es-tu? Et puis il dit, mais non, j'ai entendu ta voix. Il a reconnu. Mais je me suis caché. Ah! Et pourquoi tu t'es caché? Parce que je suis. Mais qui t'a appris? Qui t'a appris? Chaque fois que je suis avec toi en communion ici. C'est pour ça, frères et sœurs, dans le monde dans lequel vous êtes, effectivement, on vous apprend des choses qu'il ne faut même pas apprendre. Et Dieu, vous savez, nous l'avons entendu avec vous, Matthieu chapitre 15. Vous connaissez, non? Pour aller lire, pour voir la mémoire. Il dit, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche. Et suit. Mais c'est ce qui sort. Il y a tellement de choses, effectivement. Quand je parle de cela, les choses que vous en suivez, c'est dans le monde, je veux dire. Qui t'a appris que tu es né? As-tu donc mangé les fruits dont je t'avais donc défendu de manger? La femme qui était à côté de moi me l'a proposé, me l'a donné. Vous connaissez quoi? J'en ai mangé. Et puis, femme, qu'est-ce qui s'est passé? Mais les serpents. Amen. Les serpents. Alors vous connaissez, quand Dieu a regardé ça, son cœur était brisé, il a maudit les serpents. Vous avez entendu bien? Frères et sœurs, même dans le fond, partout où vous êtes là, vous avez entendu? Dieu a maudit le serpent. Jamais Dieu n'a maudit l'homme. Alléluia! L'objet de son amour. Dieu a maudit les serpents. Ce qui veut dire que si les serpents étaient maudits, sa semence aussi est maudite. Voilà. Alléluia. Maintenant, vous comprenez, frères et sœurs. Gloire à Jésus. Il a dit, Père, tout ce que tu me l'as donné, je les ai gardés en ton nom. Et aucun d'eux ne s'est perdu. Alléluia. Gloire à Jésus, mon frère. Ah, il est bon. L'évangile, c'est merveilleux, frère. Vous me saisissez? Sinon, le fils de la perdition, afin que l'écriture donc fût accomplie. C'est pour ça que ceux qui disent, on dit voilà que Judas a été sanctifié, c'est pas possible. Dieu ne peut pas sanctifier la semence du serpent. Vous savez, ça veut dire que ça veut dire sanctifier. C'est rendre pur. Comme Dieu est saint. C'est ça, non? Saint, saint est l'éternel, notre Dieu. Je lui dis, mais sanctifie-les par ta vérité. Alors, nous entrons, ou entre parenthèses, je reviens vite ici, il y aura des faux rois et des faux prophètes.
Ils feront des grands prodiges. Vraiment, grand miracle. Au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voyez-vous, mon frère et ma soeur, comme j'ai. Nous revenons rester toujours dans les Hébreux ici. Et vous l'ai montré tout à l'heure dans les Saintes Écritures, que ce n'est pas Dieu qui a péché. Vous me suivez? Amen. S'il fait très chaud, on peut couper et tout, hein? Je surveille les temps pour vous aussi. Ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas Dieu qui a péché. On nous montre déjà depuis le commencement que Dieu était toujours présent. Il descendait toujours. Mais c'est Adam qui a fui. Il a fui quoi? La présence de Dieu. Parce qu'il n'était pas en ordre avec Dieu. Vous voyez les résultats du péché. Il fait en sorte que vous vous sentez pas à mesure. Vous vous tenez dans la présence du Saint. Parce que vous êtes donc souillé. Ce n'est pas Dieu qui a dit, mais cache-toi quand je vais venir. Non, 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 non. Lui-même, cette nature-là qui est à l'intérieur, qu'on a injectée à l'intérieur, ne pouvait jamais. C'est pour ça, comme la Bible dit, quand tu veux faire ton offrande, il va pouvoir faire quelque chose pour Dieu, effectivement. Observe d'abord, est-ce que quelqu'un, pas que toi, tu aies quelque chose. Est-ce que quelqu'un a quelque chose contre toi? La personne a quelque chose contre toi. Va d'abord. Ne répare avec tes boussards. N'ayez rien. N'ayez rien qu'on pense du mal de vous, mais qu'on vous a vous trouvé dans le mal en question. Amen, amen. Donc c'est comme ça que donc Adam a été chassé du jardin. Puis les chérubins sont venus avec des épées flamboyantes pour empêcher l'accès. En fait, qu'ils ne puissent même pas toucher à l'arbre de vie. Vous connaissez cela, non? Dehors, en dehors du jardin, vous connaissez maintenant ce qui s'est passé. C'est comme dans la lue, effectivement, avec Caïa et tout ça. Donc, ce n'était pas lui qui avait péché, c'était Adam. Donc comme Adam a péché, toi tu as péché, moi je péchais. Cela, c'était ma mort, ta mort à toi, que Dieu exigeait. Pas la mort de quelqu'un d'autre. Parce que l'innocent n'a pas péché. Mais c'est toi qui es coupable, et c'est toi qui dois payer. Alors, qui pouvait payer pour toi pour que tu sois dans cette partie-là. Donc c'est lui qui devait payer pour toi. Il devait recevoir la colère de Dieu, en fait. Oui, c'est sûr et certain, ma soeur, c'est la vérité, peut-être vous ne l'avez pas bien vu. Il a crié, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Vous pensez que c'était simplement un slogan? Non. Il a pris la coupe, monsieur. La coupe dit, si cela, c'était un moment très, très, très difficile. Jésus, notre Seigneur, il a vraiment souffert. Pour que toi, tu sois heureux et bénéficier de salut que tu as maintenant, qui aujourd'hui, tu deviens orgueilleux, tu me prie. Frère et sœur, vous les payerez, mon frère et ma sœur. Ça, c'est sûr et certain. Payez, vous les payerez. Jouer avec les choses de Dieu, jouer avec les gens, jouer avec l'émotion des frères, avec les sœurs, tout ça, toutes les comédies que vous faites là. Frère, il a souffert pour toi. Il t'a donné la possibilité d'être un homme et une femme droite avec un cœur droit aimant Dieu. Mais tu continues à vivre ta vie comme tu le veux. Tu prends les deux comme des chiens. Toi, tu es le prince, tu es la princesse, effectivement. Donc, l'autre n'a rien à faire, effectivement. C'est toi, mon frère. Tu es maudit. Frère, je ne sais pas si vous comprenez cela, ma soeur.
Si vous n'avez pas la connaissance, c'est autre chose. Derrière la connaissance, vous prenez pour qu'on voit que moi je suis. Vous êtes quoi? Mot de terre, rien du tout. De quelle valeur avez-vous? Vous valez quoi? Qu'est-ce qui fait de toi la valeur que tu prétends être? C'est quoi? Tes vêtements? Ta maison? Mais ce sont des pierres. L'argent, ce sont des papiers. Qu'est-ce que tu as? Alléluia! Qu'as-tu? Que Dieu soit béni. Lève-nous, nous allons prier. Tendre Père et précieux Sauveur, mon âme te loue et te glorifie et t'exalte encore en ce jour pour ta bonté que tu ne cesses de pouvoir nous témoigner, Père. C'est vrai, le chemin de la croix, la marche que tu as eu à pouvoir vivre dans ce monde, bénémoine Père Saint-Dieu, n'a pas été facile. Tu n'avais même pas un endroit où reposer ta tête, mon bénémoine Père Saint-Dieu. Les animaux, les oiseaux ont des nids. Les animaux de tanière, Père Saint-Dieu. Mais toi, tu n'avais même pas d'endroit pour te reposer, mon bénémoine Père Saint-Dieu. Je te suis reconnaissant pour ce que tu as fait, pour mon salut, pour le salut de mon frère, pour le salut de ma soeur, mon bénémoine Père Saint-Dieu. Le salut aussi de mon fils, de mon frère, Père Tubissant, de nos enfants, Père Saint-Dieu, nos petits-enfants, mon sauveur. Je t'en suis vraiment reconnaissant, Père. Seigneur, enseigne-nous. Comme ton serviteur Moïse a pu dire, à côté de nos jours, mon bénémoine Père Saint-Dieu. Pour que nous appliquions notre cœur à la sagesse divine. Je te remercie, mon bénémoine Père Saint-Dieu, à cause de ton Seigneur, aide-nous encore pour ce que tu es. Seigneur, nos cœurs sont touchés au plus profond, mon roi, et nous devons nous remettre vraiment en question, mon bénémoine Père Saint-Dieu, et demeurer vraiment, oh Père Saint-Dieu, dans l'équipe de ta part. Merci parce qu'il n'y a point de Dieu comme toi qui vient nous enseigner comme ça, Père Dieu, qui vient toucher les cordes de l'amour dans nos cœurs, Père Saint-Dieu, pour nous ramener, Père Dieu, à la source véritable, mon roi. Père, tu es vraiment bon pour nous. Tu ne veux qu'aucun périsse, c'est la vérité, Seigneur. Mais que tous reviennent à la repentance, c'est vrai, mon bénémoine, Père Saint-Dieu. Nous avons vraiment besoin de toi, mon Seigneur. Nous avons besoin de ton soutien, mon roi. Merci, parce que il n'y a point de Dieu semblable à toi. Tu nous aimes, tu nous as vraiment aimés, Père. Pardonne-nous. Nous nous repentons devant ton trône de grâce d'avoir mal regardé, mal fait les choses, bénémoine Père Saint-Dieu. D'avoir pensé mal, bénémoine Père Saint-Dieu. De n'avoir pas regardé la manière juste, mon bénémoine Père Dieu. D'avoir pas agi comme il faut agir, comme un fils, comme une fille, Père Saint-Dieu. Pour que les diables n'aient plus d'emprise sur mon frère et sur ma soeur. Mais que toi seul, tu puisses avoir la prééminence, mon bénémoine. Oui, Père, je t'en supplie, mon roi. Tu es vrai, mon roi. Tu es le maître du ciel et de la terre, mon roi. Tu as dit que tout pouvoir t'a été donné. Tu l'as reçu, Père Dieu. Je t'en supplie, mon roi. Et merci. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Merci vraiment pour les sacrifices que tu as consentis. Tu n'étais pas obligé, mon roi. Mais c'est ton amour. Tu es vraiment divin. Tu es vraiment Dieu. Il fallait que ce soit Dieu, mon roi. Tu es vraiment Dieu. Nous t'aimons, Seigneur Jésus. Nous t'aimons, nous t'adorons, nous t'exaltons. Mon cœur t'adore, mon Seigneur, bien-aimé Père Saint-Dieu. Pour ta grandeur, pour ton amour, Père. Tu sais descendre au plus bas fond. Jésus, tu es vraiment le Dieu suprême. Je sais quoi te donner, mon roi. Mais je te remercie, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. L'homme dans l'humanité n'a rien compris, Seigneur. Ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris à ce que toi, tu as accompli, bien-aimé Père Saint-Dieu. Ils n'ont pas compris, mon roi. Pardonne-moi, pardonne ton peuple, pardonne le peuple, Seigneur. Oh Jésus, continue d'agir encore davantage. Continue de te révéler pour que nos cœurs puissent vraiment être libres, Père. Et se donner encore davantage à toi, mon Sauveur. Prends le contrôle et fais son travail, ton travail à toi dans la profondeur, Père. Dans l'âme, dans l'esprit, la conscience et subconscient, mon roi. Je te suis reconnaissant, Père. Mon âme te loue. Il t'exalte encore en ce jour, mon Sauveur. Merci. Pour ce que tu es, pour ce que tu fais, merci. Merci, Sauveur. Oh, Jésus, pardonne, mon Père. Merci. Oh, le Maître béni, je t'en supplie. Je t'aime, mon Sauveur, et je te remercie. Oh, je t'en supplie, aide-nous. Tu es le roi, je te demande grâce et miséricorde et compassion, mon Sauveur. Tu es l'alpha, tu es l'oméga. Je t'aime, mon Jésus. Mon Sauveur béni.
Mon cœur te loue et t'adore, mon bénévole Père Saint-Dieu. Je t'aime, mon Seigneur, mon roi. Que l'orgueil soit ôté, que ce que l'homme peut penser, il n'est rien. Il n'y a rien qui donne la valeur à l'homme, mon bénévole Père Tibissant, ce n'est que, oh, la sagesse, Père Tibissant, ou l'esprit, comme tu l'as dit dans ta parole. Oh Dieu, cela a plus de valeur que l'or, que tu me sens que les perles, que la topaze, mon Éthiopie. Oh, je t'aime, mon Jésus, merci. Aide-nous à être dans cette parole bénie, Père Dieu, à demeurer vraiment dans l'humilité. Je t'en supplie, je t'en supplie. Oh, qu'il n'y ait même pas d'orgueil, qu'il n'y ait même pas de haine. Je te demande grâce, pardon, mon souverain bien-aimé, je t'en supplie. Que le cœur soit libre, Père, je te demande cela. Aide-nous, Jésus, mon roi. Merci. Merci. Pardonne encore, soutien. Souviens-toi de ma soeur Lily avec sa famille. Que tu le bénisses, Père. Et je t'en supplie, Père Saint-Dieu, garde-la. Et protège-la, car elle a besoin de toi, mon bénévole, Père Saint-Dieu. Tout ton peuple, Père, et ma soeur Mélanie là-bas. Je t'en supplie, Père, prends soin d'elle, protège. Je demande grâce pour mon frère Marcelin, pour mon frère Doto, ma soeur. Oh, Père Saint-Dieu, Juliette avec ses enfants là-bas, Père Saint-Dieu. Pour tous mes frères qui sont là-bas en France, pour tous mes frères qui sont là-bas à Paris, Père Saint-Dieu, qui soient gardés, protégés par toi, partout, au Canada, Père Dieu, dans différents lieux, différents endroits. Ils sont à toi, là, accrochés devant leur écran. Ma soeur Marie-Thérèse, mon frère Michel aussi, là où ils sont. Père Saint, tout ton peuple à toi, que tu le bénisses. Souviens-toi de ma soeur Jacques. Père Tibissant, que ton nom soit béni, Jacqueline, Père Moreda. Je prie pour elle. Je prie pour que tu la soutiennes, Père Dieu, avec ses enfants. Je t'en supplie pour elle. Veille sur elle, mon roi. Je t'en supplie. Que ton nom soit béni, qu'il soit exalté pour ma sœur Elodie. Chacun d'eux, Père Saint-Dieu, toute la famille, tous les frères et sœurs, mon roi, mon frère Koulibaly, tous, Seigneur, tu le connais. Je te demande grâce, mon roi. Ils sont tellement nombreux, c'est ton peuple. Seigneur, que ta bénédiction, que ton Esprit Saint puisse encore agir encore. Parmi ton peuple, mon roi, le soutenant et le fortifiant, mon frère Thomas. C'est vrai, tu connais tout ton peuple, Père, et je te remercie encore pour ta bonté, ton amour et ta grâce, ceux qui sont aussi là-bas, mon pilier, partout. Jésus, mon roi, merci. Tu es vraiment Dieu, et tu es vraiment roi. Et sois béni pour ton amour et ta grâce, et ta grandeur et ta puissance qui ne pourra jamais diminuer, mais qui fait son œuvre encore aujourd'hui. Ta parole, elle est profonde, Père. Nous te l'avons demandé ainsi, Père, au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus.